Hey, bonsoir à tous. C'est installé comme il faut. Au lieu de commencer ma grève de la soif aujourd'hui, je l'ai commencé à 2h. J'ai commencé à 3h, le temps qu'on soit bien installé. J'ai quelques personnes qui sont venues m'accompagner. Ils vont même passer les 3 jours avec moi. Il y a des femmes, 2 femmes sont avec des gilets jaunes qui font signer la pétition. Ils ont déjà pas mal de signatures de ramasser. Et ils ont dit qu'ils m'aideraient à atteindre les 5000 signatures en 3 jours. Donc, le défi est lancé. Et je vous invite tous à venir au moins pour signer la pétition si ça vous tente. Puis je vous montrerai encore l'installation pour ceux qui ne l'ont pas vu. Que je me suis installé comme ça. Il y a une couple de personnes qui sont ici d'arriver. Puis je suis proche de la fontaine devant le Parlement de Québec. Ça fait que j'espère que demain, je vais rencontrer 1 ou 2 députés qui vont oser venir me rencontrer, j'espère. Mais je vais être ici jusqu'à samedi 5h pour remplir la pétition, finir ma grève de la soif, que ça va très bien à date. Puis je suis pas inquiète, je vais réussir jusqu'à 5h. Donc je vais vous donner des nouvelles, je vais garder mes batteries que j'ai pour mon téléphone le plus longtemps possible. Donc je vais faire juste des petits lives d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, là. On va faire ça vite fait. Puis, Steven! Tiens, viens donc jaser un peu. Steven est venu m'accompagner pour supporter ce soir. Yes, regardez, c'est lâcher les pouces Facebook un peu, là, puis c'est le temps de venir faire un vrai geste. Venez en personne, ça prend pas de temps, ça prend 5 minutes, c'est signé. Ça va donner un gros coup de main à Mario parce que c'est un gros combat qui mène, puis on laisse pas tout seul là-dedans. Je vous attends tout le monde. Ça fait que bienvenue à tous, autant la gauche que la droite. Le débat concernant les enfants n'a pas d'opinion politique. Le débat des enfants, c'est le débat des enfants. Puis il faut vraiment une réforme pour la protection de la jeunesse. Mais la nomination des ombudsmen en Chambre de la jeunesse dans chaque district judiciaire. Que je vous souhaite une bonne soirée à tous. Puis je vais refaire un petit live demain après la première nuit posée ici devant le Parlement. Bonne soirée.